Son Minotaure, fils de Pasiphae, l'épouse du roi et d'un taureau, continue de harceler Athènes. Il est temps de résoudre le problème une bonne fois pour toutes et de montrer de quoi la cité est capable. Vous devez rappeler Thésée qui parcourt l'Attique, car lui seul peut vous aider à vaincre le Minotaure. Vous aurez besoin aussi d'une trirème puissante et maniable pour rejoindre la Crète et défaire Minos. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour le deuxième scénario de l'histoire d'Athènes, rompre les liens. Donc nous avons quatre objectifs, à savoir régner sur Knossos, soutenir une trirème, soutenir quatre opliques, et 10 personnes dans des demeures ou mieux. Donc ça c'est pas compliqué dans l'ensemble. Donc il va falloir gérer un peu plus de la population au niveau de la trirème, parce que sachant qu'une trirème ça coûte 100 de population, donc je vais mettre en pause d'abord. Ce que je vais faire ensuite, c'est je vais placer un gymnase ici. J'ai déjà amélioré un peu mon premier quartier au niveau esthétique parce que c'est pas la joie clairement. Et on va tout de suite commencer à préparer ce qu'on a besoin pour appeler Thésée à notre aide. Donc c'est pas le plus compliqué des héros à invoquer, hein. Honnêtement, vous l'avez vu, on l'a utilisé lors de la deuxième aventure à Calydon pour tuer le sanglier, qui avait le nom de la ville de Calydon d'ailleurs. Et là c'est à notre tour. Donc là on doit le rappeler à nouveau, donc ce que je vais faire. Voilà. Donc le Minotaure, il était où cet imbécile? Il est là-bas, donc on a de la marge. Et ce qui est bien, c'est que ça va nous libérer d'accès à une nouvelle terre fertile, ce qui nous permettra de construire un nouveau quartier dans le secteur. Donc là pour Thésée, je ne vais pas utiliser les petits monuments commémoratifs que nous avons, mais des bassins devraient largement suffire. Voilà. Je vais même peut-être mettre une petite avenue pour augmenter le cachet. Donc là, c'est en fait, il faut, une fois qu'on aura Thésée, ça va se débloquer tout seul. On pourra faire ce qu'on a besoin en habitation. Hop, le corps de garde. Voilà, c'est pas mal. Et grâce au padon, pour aussi pouvoir percevoir des impôts. Oui. Voilà. Donc on regarde un peu ce qu'il nous demande. On a déjà 3 des 5 conditions, donc il nous faudrait quoi? 32 blocs de marbre et 16 amphores de vin. Et bon, on va tout de suite régler ça. Voilà, on est pas mal. Et là, avec le gymnase qui va faire le tour du quartier, on va être bien. La population va fuir, donc on a beaucoup de chômage aussi, il faudra faire attention. Donc actuellement nos laiteries peuvent nourrir 2664 personnes. Eh ben. Odessos qui s'épanouit, c'est un allié, oui. On va lui demander du marbre déjà pour faire des économies. Et qui peut nous vendre de l'huile du vin? Mais bon, on va en commander. Ouais. Ça sera déjà un début. Une fois qu'on va tuer le Minotaure, ça va aller tout seul. On pourra débloquer les autres quartiers entre guillemets. Donc 8 amphores de vin, c'est pas mal. Mille personnes déjà. Et ben c'est pas mal. 16 blocs de marbre en plus, c'est parfait. 400 drachmes en plus. Donc on a déjà la moitié de nos conditions de pré-remplies. Je vais commencer à établir un quartier de riches près de la mer pour deux raisons. Tout simplement, comme on a besoin d'une trirème, les armements iront plus rapidement vers les trirèmes. Et aussi pour une personne. Oh, oh, j'ai oublié le... Ça c'est con ça. Je suis Hermès. Célébrez-moi, voilà. Et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Est-ce que je peux leur demander du marbre? Non, il voudra pas. C'est qui s'épanouit? C'était Érythrée. Érythrée, Érythrée. Ah, tu vends du vin. Tu peux me sauver, s'il te plaît. Odessos, c'est notre vassal. Donc, il va nous donner 8 de marbre par an. Je vais leur commander du marbre une dernière fois. Et je vais pas trop en abuser. Donc là, je vais commencer à établir mon quartier de riche. Donc,
Olympus, c'est toi nous aussi, c'est parti. Hop, donc c'est bon pour le vin. Et pour le marbre aussi, est-ce que ce sera bon? Oui, et bah c'est parti. Apprenons déjà tes aies. Donc là, ce que je vais faire, j'ai commencé à préparer les bassins pour la zone de riche. Je pense que je vais mettre 4 maisons, ça devrait être suffisant. Je vais en laisser de la place pour jamais 5 si y a besoin. On est pas mal comme ça. Je vais relier le quartier ici. Est-ce que la grande agora aura de la place pour passer, c'est la question. Si je la change de sens comme ça. Eh ben au pire si je faisais ça, je peux mettre combien de maisons? Ah, j'ai mal calculé, ça c'est pas bon. Et là ça passerait ou pas? Tu vois que j'ai mis un espace de trou. Ah non ça va. Il faut une cruche d'olive. Ah bah oui. J'avais oublié qu'il faut une cruche d'olive complète. Donc on va refaire. 3. 4. Et j'ouvre un nouvel entrepôt tout de suite. Tout simplement pour l'huile d'olive. Je vais tout de suite en lui demander. Bah, dès qu'elle va nous aider. Du coup, poste de commerce Olympie, on n'a rien. Déjà, c'est... Eh bah, c'est parfait. Thésée, il va être en route. Allez, là, on peut rebâtir les maisons de riches. Je vais déjà en mettre que... 2, 4... 6... Ah oui, c'est vrai. Là, ce quartier-là, il y a du potentiel au niveau de l'expansion, donc c'est plutôt pas mal. Je pense que c'était pas une mauvaise idée de le placer ici. Je vais refuser pour ce part, tant pis. Ne craignez rien. Taisez vers les jeux. Je vais mettre en pause tout de suite. Donc, ce que je vais faire, j'ai déjà placé un entrepôt ici. Armement. Je vais mettre quoi d'autre? Un gymnase. Attends, ne me dis pas que c'est pas un très bon endroit. Pour toi, tu rigoles. Bon. Ah putain, attends, je te jure, c'est une mission, une campagne pas évidente. Voilà, c'est parfait. On va mettre les armements là. Et aussi la maintenance que j'allais zapper. Donc Thésée va arriver. Il n'est pas déjà en train de combattre le Minotaure. Hein. Refuser pour Corinthe. Accepter pour Olympie. Je suis Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Donc je vais mettre en pause. On va voir le combat de Thésée contre le Minotaure, évidemment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il porte de notre cité? Il n'y a pas assez de travail ici. Ça n'est jamais arrivé quand je m'occupais d'Athènes. Ah, justement, t'es en train de t'en occuper en ce moment. Alors, théoriquement, ça doit être toi, là. Donc, je vais mettre à 90%. Qu'est-ce qu'il nous dit, le gros? Je piquerai tout ce qui se passe. Un bon souverain éviterait à tout prix. Oui, bah oui, bah dis ça au dieu qui m'a envoyé le Minotaure. Voilà. Plus de Minotaure déjà. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qui nous manquerait là? Les activités culturelles, et bah ce que je vais faire. Je vais placer. Collège et une école de théâtre ici. Je vais replacer une nouvelle maintenance et je vais ensuite placer les activités qu'il me faut, donc à savoir le théâtre même. Ah, il fait une case de plus. Bon, je
pense que ce quartier comme ça devrait suffire. Et un podium juste à côté. Qu'est-ce qu'il nous manquerait? Un hôpital. Profite, profite. Profite, Knossos. Bientôt, tu ne seras qu'un souvenir de l'histoire ancienne. On est pas mal comme ça. Donc là, les 5, les 4 maisons en question, ça passe. Qu'est-ce que j'allais dire? La maintenance, ouais. Je suis Hermès. Oui, Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Alors, ensuite, là, on a une grande agora qui est construite. Qu'est-ce qu'on va mettre? Épicière, marchand de laine, marchand d'huile et armoirie. Donc, il nous faut. Où ça c'est? Oh, ça va. Donc il n'y a rien pour nous, donc c'est, mais c'est sûrement Poséidon, vu que c'est, je le rappelle, un de nos ennemis. Voilà. Donc quels dieux sont favorables avec nous? Déméter, Apollon, Hermès et Athéna. Donc déjà j'annonce qu'il y aura le sanctuaire d'Athéna ici parce que c'est la cité d'Athènes, Athéna, en son hommage. Je pense que ça devrait être une logique. Le cachet du voisinage n'a pas évolué. Je manque de moi. Voilà. Ah oui, c'est vrai, les planches de bouée. Non, je vais pas mettre un entrepôt là. Par contre, je peux mettre un. Je vais accepter un peu de bois ici. On est en manque de laine ici. On va commander. Olympie, je sais pas ce qu'ils vont nous fournir, on verra en temps utile. Donc là j'accélère un peu à nouveau. Donc là on est déjà une compagnie de prêtres. Nos soucis sont pas forts, mais méfiance quand même. Cette branche de bois, 9 armements supplémentaires. Spurt qui nous déteste. Je vais mettre un quai des triumphes. Est-ce qu'on a du chômage encore? Ouais, on a encore du chômage, c'est plutôt pas mal. Voilà. Pour un qui nous déteste aussi. Au moins de ça, il est servi. Là, on va rajouter une bonne partie du chômage en construisant la fameuse trirème. 400 grammes, du marbre. Emploi stable, c'est cool. Je suis Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Ok, donc c'est pas mal. Les 4 hôpitaux sont soutenus. La trirème est en cours de construction. Tant que le cachet du voisinage n'a pas augmenté, mais qu'est-ce que tu veux dire en cachet? Marathon est en colère, ok. Alors, combien d'hôpites? Que 4, sérieux? Alors, si eux, ils peuvent pas évoluer. Attends, il y a quoi? Il y a un gymnase, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Attends. Vas-y. Je suis Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Je mets 2 monuments. De chaque côté, on va qu'on réagisse. Voilà, c'est mieux. Bah, tu veux quelle activité culturelle? T'as le stade, t'as l'école de théâtre, t'as tout ce que tu veux. 11 couches d'huile d'olive, je veux bien. Et je pense qu'il est l'heure d'aller conquérir Knossos. On a 2 compagnies complètes. On a une trirème et on a Thésée. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais quand même faire une sauvegarde avant. Et voilà, zou, allez l'hôpit, montrez ce que vous avez. Montrez ce que vous avez dans le ventre. En plus, vous êtes taisé quoi. Ah, Knossos qui. Non, 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 tu rêves, Sparte. Ok. Bon, pour 3 couches d'huile d'olive, on va dire oui. Hein. Au pli 80 personnes, c'est bon.
est parfait. Les Athéniens peuvent voilà. être fiers aujourd'hui. L'homme que jadis ils appelaient maître n'est plus que leur humble serviteur. Et son fils adoptif a été envoyé loin des rivages grecs. La nouvelle de votre succès s'est propagée dans toute la Grèce tel un feu de broussailles. Éblouis par vos exploits, Érythrée et Odessos se sont d'elles-mêmes placées sous votre règne. Mais les biens que ces nouveaux sujets offrent à Athènes ne permettent toujours pas à la cité de prétendre à la grandeur. Il est temps de la laisser derrière vous et de fonder une nouvelle cité. Et voilà, donc c'était assez simple comme scénario, donc c'est juste d'avoir les ressources nécessaires, construire quelques maisons de riches, une trirème, et on a réussi notre opération. Du coup, je vais vous laisser là pour cette mission, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité sur la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.